Salut les gars, du coup aujourd'hui je vais vous faire un bike check de mon nouveau Rose Bike, donc c'est le Rose Bike The Bruce 1. Et donc c'est parti, je vais vous mettre une vidéo en accéléré du déballage et du montage du vélo. Donc c'est un cintre reverse de 760 mm de largeur avec des poignées reverse qui ont l'air pas mal, hein, elles ont l'air bien accrochées, et un frein Shimano MT200 avec un disque de 160 mm. Donc le frein il est pas ouf, on va pas se mentir, il est pas ouf, mais bon, ça fera, c'est un dirt, donc ça fera taf. Au pire je le changerai, je mettrai peut-être un petit Magura ou un truc du genre. Donc voilà pour le cintre, le frein et les poignées. On a aussi une potence reverse. Pour la fourche, c'est une Manitou Circus Expert noire. Clairement, je trouve que ça fait grave le taf. Je la trouve vraiment pas mal. Voilà, avec 100 débattements. Donc c'est pour un dirt, c'est ce qu'il faut. On a des jantes reverse avec un moyeu reverse et un pneu avant Maxxis Icon. Donc le pneu avant, je le trouve pas mal, en vrai, il accroche bien. J'ai pas trop eu le temps de le tester quand même, le vélo. J'ai testé vite fait dans mon jardin avec quelques petites bosses, mais c'est pas énorme. Les jantes, elles ont l'air bien solides, elles sont bien larges, ça a l'air pas mal. Et le moyeu, il a l'air bien. On peut même adapter, je sais pas si vous voyez bien, mais on peut adapter un disque à l'avant parce qu'il y a les accroches pour le disque et il y a les accroches pour l'étrier de frein sur la fourche Manitou Circus. Donc ça, je trouve c'est pas mal, même si je vais pas mettre de frein parce qu'en dirt ça sert à rien. Voilà. Donc le cadre, bah, c'est un Rose Bike, hein, The Bruce 1. Donc voilà, je le trouve tellement stylé en bleu comme ça, avec le petit rose écrit là, trop stylé je trouve. Voilà, voilà, on a une selle reverse signée Nico Link. Je vais vous montrer. Voilà, le petit logo Nico Link. Plutôt stylé. Et il a l'air pas mal. Hein. Et une tige de selle reverse. Le pédalier, donc c'est un SRAM Trouvative. Donc qui a l'air pas mal du tout. Avec des pédales Fun Python. Donc les pédales ne sont pas livrées avec, donc je les ai commandées sur Bike Shop et clairement elles sont pas mal, elles accrochent vraiment bien, je les trouve nickel. La chaîne elle est bizarre, mais elle a l'air d'être vraiment pas mal. Voilà, donc maintenant on passe au moyeu arrière, c'est un moyeu reverse avec des jantes reverse aussi. Le moyeu il fait pas mal de bruit, regardez. Voilà, donc le moyeu, moi j'aime bien, reverse, je trouve que c'est pas mal. Et le pneu arrière, c'est un Maxxis DTH qui accroche pas mal. Du coup, voilà, on a fini pour le bike check. Donc maintenant, on va passer au prix de ce vélo. Donc je l'ai acheté en gros sur le site Rose Bike, parce que je l'ai acheté sur le site Rose Bike. Il coûte 900 € environ. Et il y a 62 € de frais de port. Donc ce qui fait environ 962 € pour le vélo, sauf qu'il n'y a pas de pédale avec. Les pédales, je les ai commandées sur Pro Bike Shop, elles coûtent environ 70 € et j'ai eu 10 € de frais de port, donc ce qui fait 80 €. Donc en tout, on arrive à peu près à 1050 € pour ce vélo. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est nickel, vraiment. Rose Bike, je trouve qu'ils font le taf, ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce vélo. Moi, je trouve que c'est bien. J'ai pas encore pu énormément le tester, donc voilà, mais en vrai, je pense qu'il va faire le taf et qu'on est pas mal.